Salut à toi et bienvenue dans cette émission Motion Live Pitch. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en live depuis finalement la dernière rentrée de l'école H3D2 et justement aujourd'hui on parle encore de l'école H3D2 puisque ça va être la correction des challenges sur le thème du jeu vidéo par les élèves justement de l'école. Donc il y a eu des excellents travaux, mais avant ça, évidemment, comme d'habitude, je vais te poser la fameuse question. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tout fonctionne techniquement avant qu'on démarre et que je t'explique le principe de la soirée? Allez, salut à tous, salut Maxime, salut Vincent, salut Maud de YouTube, salut Tim, j'espère que vous allez tous bien, ça fait plaisir de voir autant d'élèves. Ok, c'est parfait, incroyable, salut Quentin. Ok, et eh ben écoute, on va y aller tranquillement du coup, on va y aller tranquillement, ça va être bien, bien, cool. Alors, déjà, un petit bilan. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que tu ne me vois plus beaucoup sur YouTube ou sur d'autres plateformes, je suis un peu plus absent en ce moment. J'ai énormément de boulot côté perso, ça m'a pris pas mal de journée, il faut qu'on se le dise, mais ne t'inquiète pas, je continue mon travail en arrière-plan, il y a pas mal de choses qui vont arriver, même si ça prend malheureusement plus de temps que prévu et un petit peu de retard, je te l'accorde, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours là, et les choses qui doivent arriver comme Space Warp, et aussi il y a tellement de vidéos YouTube que je veux faire, notamment sur Rococo et tout, bref, il y a des trucs en projet, il y a des projets qui sont en place et qui arrivent, ils sont en retard. Ça, je ne peux que te l'accorder. Mais ils sont là, ils arrivent. Encore un petit peu de patience. Tu vas bientôt me revoir un peu plus. Tu vas avoir cette belle tête partout. Un peu plus, crois-moi, il faut juste que les choses se dégraissent, etc. Mais ça va le faire. Bref, aujourd'hui, on est là pour une chose en particulier, une chose très importante, les challenges de l'école H3D2 sur le thème des jeux vidéo. Alors, le principe, comment ça marche, si tu ne le sais pas, je gère une école en ligne qui s'appelle l'école H3D2 et les élèves, tous les 15 jours, enfin, plutôt tous les mois, ils ont 15 jours pour faire une œuvre 3D, du coup, sur le thème, un thème libre. Et le thème libre, en fait, est choisi par le gagnant, du coup, du thème d'avant. D'accord? L'idée est simple. 15 jours pour faire une œuvre 3D sur un thème particulier, d'accord? Ils ont vraiment carte blanche sur les techniques utilisées, il faut juste que ce soit de la 3D. Et derrière, du coup, la règle est simple. Ils votent entre eux sur les trois finalistes. Et derrière, ensemble, nous, ce soir, je te montre les trois finalistes. Et toi, derrière ton écran, tu peux voter pour l'œuvre que tu préfères. Et c'est toi qui décides, en tant que spectateur, le gagnant final du challenge entre les trois finalistes. D'accord? Donc, je vais t'expliquer comment voter d'ici quelques minutes. Après, pendant la soirée et... pour laisser tout le monde le temps de voter, pardon, je vais corriger et donner mon avis sur tous les projets qui ont été rendus, histoire évidemment de pouvoir aider l'élève et de pouvoir qu'il ait des axes d'amélioration pour la prochaine fois. Tu vas voir que les gars en 15 jours se sont bien chauffés, ils ont vraiment fait des trucs super cool et ça c'est vraiment top top top. Donc on va pouvoir vraiment avoir des trucs pour un peu se rincer les yeux, tu vois, c'est top. Et derrière, l'idée est toujours évidemment de que chacun s'améliore, puisse avoir des tips pour avancer plus vite, et puis de mettre un petit peu de compétition dans tout ça, juste pour le fun, évidemment, toujours dans la bonne humeur et à la sympathie. Donc voilà, pour voter, du coup, comment ça se passe? Eh bien, tu dois te rendre sur le site de l'émission, qui s'appelle teach.motion-live.com/émission, juste au-dessus ici, et directement sur ce site, tu vas pouvoir voter pour le travail que tu préfères. Alors, je vais te montrer très rapidement ce que ça donne en passant sur mon écran. Hop. Comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu l'idée. Allez, hop, tac. Voilà, ici. Alors, je vais pas te montrer tout de suite le résultat de l'émission, ce serait trop beau. Pas non plus déconner. Et du coup, donc tu vas sur teach.motion-live.com/l'émission. Et tu vois qu'en fait, en arrivant ici, du coup, tu vas avoir directement... les trois travaux qui ont été finalistes, d'accord. Alors, je vais te les travaux, évidemment, je vais te les montrer, d'accord. Oh là, et je vois que ma caméra crash là, de ce côté-là. Complet. Allez, non, eh ben c'est pas grave. On va régler ça plus tard. Donc, tu vas pouvoir du coup
Alors pour l'instant, je vais l'enlever, hein, si c'est pour avoir craché. Voter pour le travail que tu préfères. Et évidemment, à la fin, c'est toi qui décideras finalement du gagnant. Voilà le principe. Donc, encore une fois, ça se passe sur teach.motion-f.com/émission. Tu as l'adresse juste ici et je te la réaffiche dans le carré vert ici. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le concept. Ok ? Donc, on va voir du coup tout de suite le travail des trois finalistes de ce challenge. En effet, Arthur, c'est toujours la même caméra. Quand on peut péter les couilles. Les trois finalistes sont Quentin, Romain et Vincent. Et déjà, il y a un truc que j'apprécie particulièrement, c'est que Quentin et Vincent sont deux élèves qui viennent d'arriver dans l'école à la rentrée il y a à peine 3 semaines. Donc ça, c'est quand même super cool qu'on ait deux finalistes, deux personnes qui viennent d'arriver. C'est hyper motivant. Donc bravo les gars, déjà, ça c'est super cool. Alors, c'est parti. On va regarder ensemble le travail de Quentin, puis de Romain et puis de Vincent. C'est parti. Allez, donc allez, on attaque du coup sur le travail du coup de Quentin. Tac. Donc hop, laisse-moi aller le chercher un petit instant. Hop, je repasse du coup sur mon écran. On est sur la plateforme de l'école ici et on va aller voir le travail de Quentin. C'est parti. Donc Quentin nous a fait ici une vidéo pour nous montrer effectivement ces différents rendus, mais en fait c'est que des rendus d'images fixes. On y va, super bon travail. Je rappelle encore une fois, hein, le boulot que vous allez voir ici, seulement fait en 15 jours top chrono, pour te dire à quel point les gars sont chauds. Tu ne me vois pas, mais tu m'entends, c'est le principal pour la caméra. Bah écoute, ouais non, bah c'est pas revenu, et bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, le plus important, c'est les travaux des élèves. Let's go. C'était du coup le travail de Quentin, premier finaliste du coup de ce challenge. Je vais commencer d'ailleurs à afficher du coup les résultats des votes du coup. Tu vas pouvoir suivre en direct les votes qu'il y a. Oh là, on a déjà 4 votes pour Quentin, c'est bon, c'est parti. 4 votes pour Romain, 1 vote pour Vincent. Ok, là vous êtes chaud patate, j'adore. Donc on voit en direct l'évolution des votes. Donc si vous voulez départager Quentin et Romain, c'est maintenant ou jamais. On vient de voir le travail de Quentin, je vais te le remettre encore une fois. Donc si tu veux voter pour lui, ça se passe encore une fois sur le site de teach.motion-life.com/émission. Je te le remets ici en haut pour voter pour le gagnant. Le gagnant a l'immense honneur, l'ultime honneur de choisir le thème du prochain challenge pour les élèves. Et ça c'est très cool. Allez, on continue. On se refait du coup une rediff du travail de Quentin qui était vraiment excellent. Je vais faire les retours sur les travaux juste derrière évidemment. Hein. Mais d'abord, on va d'abord se revoir. On va d'abord voir du coup deux fois le travail de chaque finaliste. Allez, on regarde une fois le travail de Quentin. C'est parti, je vais enlever du coup le lien. Hop. Et je vais enlever les votes, le temps du travail. Voilà. Let's go. Donc voilà, c'était le travail de Quentin. Tout ça, du coup, je le répète, en 15 jours. Si tu veux voter, toujours pareil. Ça reste sur
le site de l'émission qui est juste au-dessus de ma tête. Quand même, hein, qu'on se note, hein, 15 jours pour faire deux personnages, du feu, les animés et tout. Quentin s'est chauffé vénère. Donc, grand bravo à lui. C'est passé, c'est parti, pardon. On passe à, au travail de Romain, qui est le deuxième finaliste de ce challenge. Let's go. Alors, Romain nous a fait du coup une image. D'accord, je vais enlever hop, ici. Voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, je dois dire, extrêmement bon boulot. Perso, moi, c'est mon coup de cœur. Pokémon. Hop, on se la laisse encore quelques secondes. Donc si tu votais pour Romain, si tu penses que c'est le meilleur travail de ce soir entre les trois finalistes, entre Quentin, Romain et Vincent, tu peux aller voter toujours sur le titre de l'émission. Il est aussi, le site de l'émission est aussi dans la description de la vidéo si tu es sur YouTube. Ok, c'était le travail de Romain, du coup. Est-ce que les votes ont évolué? Est-ce qu'on a fait gagner? Est-ce qu'on a fait changer la balance? Non, c'est toujours Quentin qui est en tête. Donc si tu veux faire changer la balance, c'est maintenant ou jamais. Si tu penses que Romain mérite de gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer le tout sur le site. Allez, on attaque sur le dernier travail, du coup, celui de Vincent, du coup, qui est notre dernier finaliste. Hein. D'ailleurs, on voit que les élèves de l'école avaient plutôt choisi de mettre Romain en tête. Hein. On voit que les élèves, 14 j'aime pour Romain, 12 votes pour Vincent et 8 j'aime pour Quentin. Ce qu'on voit, c'est que ce soir, c'est différent. Ce qu'on voit, c'est que ce soir, c'est que c'est Quentin qui est en tête, selon vous. Ça, c'est bon, j'adore, parce que, du coup, il y a vraiment des retournements de situation avec les lives. Ça, c'est vraiment très cool. Donc voilà, tout est encore jouable pour Quentin, Romain ou Vincent. Encore une fois, si tu veux voter, ça se passe maintenant sur le site de l'émission. C'est parti, on attaque sur le dernier travail, celui de Vincent. Let's go! Alors, Quentin, Vincent, je ne sais pas s'il y avait du son dans ton travail. Par sécurité, je vais enlever moi la musique pour être sûr qu'on t'entende. Comme ça au moins, hop, et du coup, ici, let's go, on va enlever les votes, du coup, c'est parti, ah oui, j'ai enlevé la musique, mais il m'enlève pas la musique, là, ce con, allez, enlève-moi la musique, eh ben, on va devoir l'enlever à la main, c'est pas grave, je ne sais pas pourquoi il veut pas m'enlever ma musique, ce petit con, mais bon. Ouais, mais si j'enlève le son du bureau, évidemment, on n'entendra pas beaucoup. Ah, je sais pas pourquoi il veut plus l'enlever. C'est pas grave. On va l'enlever comme ça. Allez. Il n'y avait pas de son. Bon, du coup, on peut l'arrêter. On va se la refaire. C'était relativement court, du coup. Ok, bah, Quentin, merci de me rappeler. Ça marche. Hop, on va se la refaire encore une fois. Relativement court. Hop, on va faire une petite pause, je pense, sur l'image de fin, quand même, je pense qu'elle est la plus importante. Qui est d'ailleurs, je trouve, aussi très très réussie, cette image-là, elle est vraiment, vraiment top. Hein. On ressent vraiment les salles d'arcade de l'ancienne époque, j'adore. Donc c'était le travail de Vincent. Le travail de Vincent, du coup, qui est notre troisième et dernier finaliste. Troisième et dernier finaliste. Si tu penses que c'est lui qui mérite du coup eh bien de gagner ce challenge, tu peux aller voter toujours la même chose sur le site de l'émission. Alors, la suite du coup est très simple. Je vais du coup aller faire une correction de tous les élèves du coup pour encore une fois, les aider à avancer, leur donner des pistes pour aller plus loin, trouver des solutions pour améliorer leur travail, toujours dans l'idée d'aider, d'accord? Et l'idée, c'est que pendant toute cette correction, qui va durer, je pense, entre 30 minutes et 1 heure, eh bien, toi, tu as encore le temps de pouvoir aller voter pour les trois travaux que tu préfères. À la fin, on se refera une vision des trois finalistes, et puis, on découvrira qui est le vainqueur. En dessous de moi, tu vas avoir en temps réel tout le temps ici. Donc, tu as juste là, ici. Tu vas avoir en temps réel tout le temps, eh bien,
le résultat des votes. Donc, libre à toi de faire changer la balance. Libre à toi de choisir et de changer le futur de nos élèves et du gagnant. Ça marche ? Ceci étant dit, on attaque du coup, on va faire par ordre de alphabétique les projets au fur et à mesure et on va se faire un petit retour au fur et à mesure le plus sympathique possible, dans la meilleure bonne humeur du monde, toujours dans l'idée d'aider et que les élèves puissent s'améliorer. C'est parti, let's go. Pourquoi je vous lance un truc de planète là ? N'importe quoi. Alors, toujours ça se passe sur le site de l'émission, hein, si tu veux voter. Donc, on va prendre du coup, bah, finalement, le travail de Quentin qui est le premier. D'accord ? On va pouvoir se faire un petit retour là-dessus. Quentin, du coup, qui nous a fait un, il faut le dire, excellent travail de modélisation. C'est clair et net. Hein, très, très, très bon travail de modé. Ça là-dessus, il n'y a pas photo. Ce qui est ouf, hein, c'est que travail, Quentin se dit pas, je vais faire un seul perso en 15 jours, c'est qu'il en fait deux. Et qu'en plus, il fait du feu et qu'il les anime. Donc, c'est quand même sacrément ouf. Donc, ça là-dessus, gros bravo pour déjà rien que la quantité de boulot en fait qu'il y a là. Quentin, ça, c'est un gros chapeau, gros point positif. C'est excellent, si je me trompe pas, c'est deux personnages de Skyrim, si je dis pas n'importe quoi. Alors, je suis pas un grand connaisseur de la saga, malheureusement, je joue un petit peu, mais je suis pas assez bon pour savoir de quel personnage il s'agit. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'en modé, c'était vraiment pas mal du tout, surtout que tu m'avais envoyé aussi des fichiers intermédiaires pendant, et j'avais vu là, on sent, c'est vraiment très cool. Donc ça, c'est vraiment super bien. Gros travail aussi de shading, du coup, hein, sur ce modèle, même de texture, on le voit, hein, on voit qu'il y a un petit peu de métal abîmé et tout. Ça marche aussi vraiment bien, je trouve qu'il y a un bon travail là-dessus. Je trouve que malheureusement, je travaille le shading quand même un petit peu en dessous du travail de modé. Mais je pense qu'en fait, ça ne vient pas forcément du travail de texturing en soi, ça vient surtout en fait de la mise en lumière, de la mise en scène du modèle. Je pense que, en fait, sur chacun des images, le modèle en fait manque un peu de contraste, il fait un petit peu pâle, il ressort pas vraiment bien. Je te donne du coup un exemple très concret. On a un personnage du coup qui fait de la lumière avec les yeux, qui a du feu sur les épaules. D'ailleurs, le feu très réussi, par exemple, le feu dans l'image est vraiment super cool. Et pourtant, on n'en tire pas parti dans la mise en scène. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'avoir par exemple le personnage qui soit seulement éclairé depuis les flammes de son corps, tu vois. Est-ce qu'on aurait pas eu un truc beaucoup plus contrasté, beaucoup plus clair-obscur, beaucoup plus intéressant, où on aurait vachement plus vu les réflexions et le travail sur ton shading. Je pense aussi que dans ton image, il manque une HDRI, ou s'il y en a une, elle n'est pas assez forte. Dans le sens où là, on ne sent pas les réflexions dans ton métal, en fait. Ou peut-être que ton métal ne reflète pas. Bref, il y a un souci, je pense, de shading et d'éclairage, en fait, de mise en scène en général. On en avait déjà parlé, je trouve que t'as fait un très bon choix de mise en scène, du coup, après mes explications sur la placement de la caméra. Je trouve que cette image-là, elle est vraiment excellente, ça rend le truc énorme, très grand. Ça fait penser un peu aux Transformers, surtout le premier, où on est tout le temps en bas et on voit que les robots, ils sont énormes. Par contre, le shading de ton robot manque d'interaction avec son environnement, manque de réflexion, un petit peu comme s'il était en fait finalement, tu vois, si on fait abstraction du ciel et on regarde que les réflexions et la réaction de son matériel en l'environnement, on a un peu l'impression qu'il est finalement dans une salle grise en fait, où il n'y a rien. Tu vois, on sent pas le bleu des nuages dans son métal, on sent pas la couleur du sol dans son métal, non ça on sent pas, et je pense que c'est parce que en fait, je pense qu'il n'y a pas d'HDRI, je pense. À voir, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'elle n'est pas assez forte, peut-être que ton métal réfléchit pas assez. En tout cas, je trouve que là, du coup, il y a encore un petit peu de travail à ce niveau-là. Il y a aussi, je pense, un niveau de travail au niveau des différentes matières de ton objet. Parce que on sent pas encore bien la différence, par exemple, entre cette matière-là, tu vois. Est-ce qu'elles sont les mêmes ? Enfin, on sent qu'il y a une couleur différente, mais on sent pas vraiment que c'est du métal et d'autres que ça va être du caoutchouc, etc. Donc, je pense que, voilà, hop, encore un petit niveau de plus en shading. Où est-ce qu'il fallait un petit peu plus travailler tout ça ? Même si, voilà, déjà, c'est déjà excellent. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment un super boulot. Tu t'es un peu trop lâché sur la raf, ok, ça marche. C'est déjà un super boulot. Je pense aussi, en modé, il y a encore un petit truc à pousser. Par exemple, tu vois, ici, là, cette petite, je crois qu'on le voit un peu mieux quand on zoome dessus. Ah non, du coup, on le voit moins bien. Dommage. Mais là, on le voit un peu, tu vois. Tu vois, c'est là, en modé, tu vois ces espèces de pics ici. Clac, clac, clac,
crac, crac. Ça, ces éléments-là, ça fait vite très jeu vidéo, pas smoothé, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. En plus, je pense que ce genre de truc, c'est relativement facile à enlever, en fait. Hein. Il suffit de venir simplement subdiviser ton mesh, en fait. Hein, et de venir mettre tes bevels au bon endroit pour éviter ce genre de problème. Pareil, tu vois, la courbe là, ah, tu vois, elle est pas bien courbée, tu vois. Ça fait un peu des vagues comme s'il y avait un problème. Ça, c'est un petit peu moyen, en modé, voilà, les petits points ici. Tu vois, pareil, là, tu vois, c'est con qu'on voit les faces, tu vois, de ton engrenage, tu vois. Ça aurait été cool que ce soit vraiment rond, tu vois. Donc, voilà, petit détail. Je pense aussi, du coup, la texture n'est pas assez définie, malheureusement. Là, tu vois, on commence à voir les pixels à cette distance-là. Alors, j'ai conscience que sur un modèle aussi grand, c'est un peu le bordel. Mais bon, le fait est que c'est là. Donc, voilà, globalement, ici, donc, je pense que le truc principal... Si tu devais améliorer un seul truc sur le projet, j'aime bien faire ça sur un truc où t'as pas le temps, ça aurait été la mise en scène au niveau de l'éclairage. Je pense que j'aurais changé d'éclairage, je pense que je serais parti sur un éclairage beaucoup plus franc, c'est-à-dire beaucoup plus tranché. Là, tu vois, c'est un éclairage qui est très doux, on a quasiment du mal à voir la direction, tu vois, bon, il vient un peu de là, mais c'est très flou, les ombres, elles sont très douces. Moi, je pense que je serais parti sur un éclairage extrêmement franc, extrêmement dur, pour avoir quelque chose où on voit fortement les détails, avec du coup des ombres qui soient très marquées, et du coup ça aurait fait ressortir tous les petits détails de modé qui sont en place et qui sont vachement bons. Voilà. Sinon, excellent boulot, il y a encore une fois, 15 jours en plus, Quentin vient d'arriver dans l'école, donc c'est hyper hyper encourageant. Quentin, je ne peux que t'encourager à continuer sur cette voie, c'est très 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 bien parti, un énorme, immense bravo à toi, et puis on parle de ton Allosaur très prochainement. Voilà pour Quentin. Si tu penses que Quentin, et ça a l'air d'être le cas pour l'instant, mérite de gagner ce challenge, tu peux toujours du coup aller voter pour lui sur la page de l'émission, juste là, du coup, puisque Quentin faisait partie des finalistes. Je voterai encore plus pour le prochain challenge. Écoute, Quentin, excellent. Surtout si tu gagnes, tu vas pouvoir choisir le thème, donc ça va encore plus te motiver. C'est parti pour le prochain retour. Alors, oui, attends, non, pas pour le prochain retour, pardon. Quentin, je te dis ça, mais je te fais même pas de retour sur ton deuxième perso. N'importe quoi, excuse-moi. Pardon, du coup, on est toujours sur Quentin, désolé. Deuxième perso, du coup, que je trouve pour le coup, en termes de... En fait, en termes de texture, pour le coup, je le trouve plus réussi, celui-là. Certainement parce qu'en fait, du coup, comme il y a moins de détails, on sent moins le manque parfois de définition. Et je trouve que là, on sent un peu plus la matière. On sent un peu plus la matière de... Alors, je sais pas si c'est du métal rouillé ou du métal un peu fondu, un peu chaud. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, je trouve, en termes de shading ici. Je trouve que c'est vraiment très cool. Alors... Et du coup, voilà, et pour toi, pourquoi je voulais parler de ton deuxième perso? Parce qu'en fait, je voulais te faire quand même un gros aussi bravo sur le feu, en fait. Tu t'es vraiment quand même bien démerdé, je trouve. Surtout sur 15 jours, car Dieu sait que faire du feu, c'est compliqué. Je trouve que ça marche relativement bien sur la forme, d'accord? Où est-ce que ça marche moins bien? Je pense que c'est sur la lumière. Je trouve que ton feu, il éclaire pas assez ta scène. Il éclaire pas assez ton modèle, il y a du glow, ça sent qu'il y a un petit peu de compo, mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que ton feu, il est trop jaune. Un feu, en vrai, c'est ça passe du blanc vers le bleu pour aller vers l'orange. Là, du coup, on a juste du orange. Donc, il y a un peu de travail, je pense, en faire en shading. Ton feu, je pense, il manque de fumée. Alors, on a juste des flammes, en fait, sans fumée. Mais globalement, c'est franchement pas mal démerdé pour un premier test de feu sur 15 jours. Je peux que dire quand même que c'est vraiment dans la bonne direction. C'est pas parfait, évidemment, mais c'est vraiment dans la bonne direction. Voilà, donc gros pouce bleu, si je puis dire, là-dessus aussi. Je peux que t'encourager aussi à continuer à faire tes tests là-dessus. C'est vraiment top. Sur le mouvement du feu, je trouve que tu t'es quand même vraiment pas mal débrouillé, parce que Dieu sait que c'est pas évident. Même chose, dommage que ce perso soit pas dans un environnement. Tu vois, là, t'as juste mis une image derrière. Dommage qu'il n'y ait pas un environnement. Je pense que ça aurait été hyper intéressant de l'avoir dans quasiment le noir complet avec un environnement, par exemple dans une grotte, tu vois, et que le feu du personnage ne fasse que l'éclairage, tu vois. Ça aurait été, je pense, relativement très cool à penser pour la suite. Voilà pour du coup la fin de mes retours. Pareil, du coup, il faut quand même se dire, du coup, hein, notre ami Quentin là, se prend le temps de modéliser deux personnages vraiment réussis, de les shader, de les rendre. Tout ça en 15 jours, enfin il y a du taf, donc encore une fois, chapeau bas. Allez, c'est parti du coup, on passe au prochain, pour de vrai cette fois. Alors le prochain train de travail est celui du coup d'Angèle ici. C'est bon, on va commencer.
Le prochain travail, du coup, est celui d'Angèle, que je trouve aussi très, 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 très bien. Ce que j'apprécie particulièrement ici dans ce boulot, c'est l'ambition du projet. Angèle, elle ne se contente pas de faire un personnage, un truc, non, elle fait une scène entière avec une ville en ruine, un machin, un monstre avec un putain de gun à la première personne, bref, c'est vraiment cool. Salut Romain, bienvenue à toi, si tu allais voter pour le meilleur, peut-être pour toi d'ailleurs, ça se passe sur le site de l'émission, t'hésites pas, surtout. Voilà un peu où est-ce qu'on en est au niveau des votes, hein. Donc Quentin pour l'instant est en tête. Donc pour revenir du coup à Angèle, ce travail, du coup, c'est un travail que j'apprécie particulièrement pour l'ambition qu'il y a derrière. Alors, par contre, du coup, sur les points, je pense, où est-ce qu'elle améliorait, on en a déjà parlé ensemble avec elle lors de ses rendez-vous. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'éclairage et sur le compo. L'éclairage de la scène est beaucoup trop plate, en fait. Il n'y a aucune direction de lumière. On a l'impression que c'est quasiment un éclairage diffus, quoi. Oui, on sent qu'il y a une petite direction de lumière ici, tu vois, mais c'est tout. Il faudrait une méga directionnelle, un truc très fort, très franche, très franc, avec beaucoup de glow, surtout sur des trucs apocalyptiques comme ça, on a beaucoup de poussière, pas éviter en compo, mettre une grosse mythe bien orange, ça aurait énormément aidé à l'intégration des éléments. C'est pas normal que la partie ici qui est hyper devant la caméra soit aussi contrastée que la partie derrière. Il faudrait qu'on ait un dégradé de contraste avec la mist, où ça c'est beaucoup plus contrasté et ça l'est beaucoup moins, avec un voile orange ou d'une autre couleur en fonction du type d'apocalypse que tu veux, qui viennent se mettre au fur et à mesure sur les éléments, qui nous donneraient cette sensation d'atmosphère très pesante du coup. Qu'on pourrait avoir dans des jeux du type Résistance 2, Fallout ou ce genre de truc. C'est comme ça que ça marche et je pense que là c'est ce qui manque. Aussi, petit problème de layout, de mise en scène, le flingue est beaucoup trop haut, le viseur il devrait être ici, d'accord, et prendre seulement que cette partie de l'écran, là il est beaucoup trop haut et du coup ça cache vraiment la scène et en vrai on ne tient pas un pistolet aussi haut. Là ça veut dire que je la crosse de mon flingue au niveau de... Hop. C'est-à-dire que j'aurai la crosse de mon flingue au niveau de mon œil. Alors qu'en fait, la crosse de flingue, elle est au niveau de mon épaule, d'accord ? J'ai un flingue comme ça, et non pas comme ça. Sinon, je pense que ça reste un excellent boulot. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont en place. Je trouve que le monstre est très réussi. Je trouve que la ville, la modée, le fait que ce soit délabré, c'est très réussi. Finalement, il manque vraiment pas grand-chose pour faire passer cette image de amateur plus à vraiment pro. Et c'est pour moi l'éclairage et le compositing. On en a déjà parlé, Angèle, donc je ne vais pas aller plus loin dessus, puisque je t'ai déjà fait un cours en direct avec toi, un rendez-vous dessus sur comment améliorer ton image. Mais au moins, du coup, les autres le savent aussi. Je le répète souvent, ne bâclez pas votre éclairage et votre compositing. C'est super important. C'est vraiment ça qui fait que votre image sera réussie. Au final, l'éclairage et le compositing ont un impact énorme sur l'image de fin. Voilà. Je répète, vous pouvez toujours aller voter pour le travail que vous préférez entre Quentin, Vincent et Romain. Là, du coup, Angèle n'était pas dans les finalistes. Allez, on continue. C'est parti. On attaque sur le travail de Florian. Hop. Alors, Florian qui avait du son. Donc je vais couper, du coup, ma musique, du coup, 30 secondes pour qu'on ait le son de Florian. Et on va regarder ça ensemble. Je vais du coup aussi cacher les votes. 30 secondes, c'est parti. Let's go. Oh, waouh. Oh, nom, 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 nom. Alors, c'était du coup le travail de Florian, si je dis pas de bêtises. Donc Florian, wow. Du coup, hop, on va couper le son et on va faire un retour. Donc, alors, moi ce que j'aime bien avec ce type de travail, c'est que
Là, Florian s'est vraiment embêté à aller loin dans le projet, dans le sens où bah, il s'est dit, voilà, je vais pas juste faire une image, je vais pas juste faire un élément qui bouge, je vais carrément aller faire une animation, des blend shapes, un petit rig, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire qu'il a pu vraiment voir toutes les étapes de la production sur une période de 15 jours, ce qui est franchement pas évident. Donc là-dessus, gros bravo à toi, Florian, c'est un gros avancée. En plus, je sais que pour toi, c'est la première fois où tu es allé dans sur cette direction du coup d'animation. C'était la première fois que tu faisais des blend shapes, c'était à chaque fois sur les challenges avant, tu faisais vraiment tout le temps des créations d'images fixes. Donc là-dessus, énorme bravo, très bon test. Il y a beaucoup de choses qui sont en place en termes de fonctionnement d'animation. Ben, je trouve que les petites vagues des fantômes marchent très bien, c'est assez cool. Il y a 2-3 petits trucs qui vont pas, on va pouvoir en parler, et puis tu vas voir qu'en fait ça, c'est relativement assez facile à corriger, donc ça va être assez cool. Allez, c'est parti. Donc, premier truc du coup sur lequel je pense qu'il y a un souci, avant de parler d'animation, etc., c'est le choix de tes cadrages et de ton animation de caméra. Le choix de ton cadrage et d'animation de caméra, je pense, la plupart du temps, est relativement mal choisi. Déjà, le fait d'avoir fait un plan comme ça, qui est un plan séquence où ta caméra bouge d'axe en axe et s'arrête, c'est relativement inesthétique et c'est quelque chose qu'on ne voit jamais au cinéma, simplement parce que bah, en fait, c'est très peu naturel en fait. Tu vas avoir deux types de plans au cinéma, les plans fixes ou les plans qui sont du coup animés, d'accord ? Mais tu n'auras jamais ce type de plan où tu vas avoir plan fixe, ça m'arrête, il se passe un truc et je rebouge derrière. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe ? Très peu, parce que c'est extrêmement peu naturel et quand tu filmes, en fait, tu fais jamais ça. Donc moi, ce que je te conseille, surtout pour un truc, un projet comme ça, Florian, c'est de faire un découpage vraiment plan par plan. Donc un premier plan ici. Du coup, là, tu dézoomes pas, tu fais un cut. Deuxième plan. Alors là, je pense qu'il y a pas un assez grand écart entre les deux. Il faudrait avoir un écart un peu plus grand. Ici, cut. Troisième plan. Pas la peine d'avoir ce petit mouvement de caméra, en fait, qui vont venir te bocher. Là, pourquoi pas le fait que la caméra suive ton modèle, à la limite, ça marche pas mal. Hop. Et ici, là, non. Un cut. Au lieu de dézoomer, un cut, du coup, pour laisser, du coup, voir les fantômes. Pareil, la caméra qui s'avance, qui bouge, pas la peine, juste reste en plan fixe, parce que du coup, c'est vraiment, je vais pas dire que ça donne la gerbe, mais quasiment. J'aime bien, moi, cette règle, du coup, que j'utilise souvent quand je travaille, c'est un plan, un mouvement. Un plan, un mouvement. Pour démarrer, c'est vraiment une bonne règle à se mettre en place quand on fait du découpage et de l'animation. Un plan, un mouvement. Dès que tu veux faire un deuxième mouvement de caméra, Dès que tu veux faire un deuxième mouvement de caméra, tu changes de plan. Tu fais un nouveau plan, tu fais un nouveau cadrage. Ok ? Pense bien aussi à la règle des 180 degrés, parce que du coup, là, on la casse, mais globalement, c'est ça. Alors, ensuite, pour tes caméras et pour tes personnages, il y a un problème au niveau de tes courbes d'animation. Toutes tes courbes d'animation ne sont pas lissées, en fait. La plupart du temps, elles sont extrêmement rigides, extrêmement linéaires, et c'est ce qui rend cette animation très robotique, très saccadée. Les courbes d'animation, il faut que tu les lisses en bézier, d'accord ? C'est super important, c'est ce qui va rendre ton truc plus fluide, plus doux, plus propre en fait. Là, on le voit, tu vois, quand il démarre d'un coup. Alors qu'en vrai, il devrait démarrer en accélérant, puis en ralentissant pour arriver. Ça, c'est les courbes d'animation bézier qui font ça. Pareil pour tes blend shapes au niveau de la bouche, il faudrait qu'ils soient animés de manière bézier, de manière plus douce, plus mécanique. En fait, il y a les mouvements sont en place, d'accord ? Par contre, il y a un problème dans les interpolations des mouvements, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la vitesse des mouvements, donc sur comment ils démarrent, comment ils s'arrêtent et à quelle vitesse on va au milieu. Tout ça, ça se passe dans les interpolations des courbes. En fait, c'est simplement comment les courbes vont arriver d'un point à un autre. Hein. Ça s'appelle vraiment, du coup, les interpolations, bézier, linéaire, etc. Et là, tu as beaucoup trop d'interpolations linéaires. Il faudrait faire beaucoup plus d'interpolations bézier et beaucoup plus travailler ça, d'accord, pour avoir quelque chose qui soit plus fluide et moins, je vais pas dire mécanique, mais plutôt saccadé, en fait, c'est le terme. Ensuite, un truc un peu dommage, ce qui est dommage, tu vois, c'est que les fantômes, là, quand ils bougent, ils se rendent dedans. C'est un peu dommage, tu vois, surtout que c'est des choses assez faciles à corriger, tu vois, juste le faire qu'ils se rendent pas dedans. Bon, voilà. Tu vois, pareil, quand ils s'arrêtent d'un coup, tu vois, vraiment, pause, enfin, animation linéaire, attention à ça. Donc ça, c'est un peu dommage, tu vois, que ça se rentre dedans, là. Hop, bon, après, du coup, ils s'en vont, et ça, c'est relativement cool. Ok. Petit mouvement à la fin qui est vraiment sympa. Je trouve que cette pièce ici est relativement bien réussie. Attention quand même, je fais quand même un point important. Il y a un problème d'ombre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un souci d'ombre.
Et sur ce, autre chose, et je sais que tu as souvent ce problème, Florian, dans cette image, il y a un énorme problème d'échelle, mais alors sur toute la ligne. Ta porte est beaucoup trop petite. Tes lattes de bois sont beaucoup trop grandes. Après, du coup, tu vois, par exemple, ta chaise est relativement bizarre, tu vois. Ça, c'est relativement bizarre. C'est rare d'avoir une chaise comme ça avec des poteaux blancs et un truc gris. Je trouve que, par exemple, les lampes-là sont très réussies, je trouve, par rapport au reste. Je trouve que la boîte Pac-Man n'est pas mal non plus du tout. Mais après, je trouve que le reste est en place. Mais il y a un problème de taille. Fais gaffe aux tailles, mesure. Enfin, tu te rends bien compte que si le mec dort dans le lit, si tu as et qu'il fait cette taille-là, tu vois, tu te rends bien compte que du coup, il passe pas la porte, tu vois. Sa tête, elle arrive là. Donc sa porte, elle est beaucoup trop petite. Après, du coup, je pense que aussi dans l'ensemble, cette pièce manque un petit peu de détails en termes de modé. Il n'y a pas de souris sur l'ordinateur. Il n'y a pas de câble, tu vois. Il n'y a pas de plainte sur les murs. Il n'y a pas de prise de courant. Il n'y a pas tout ça qui fait que du coup, c'est crédible. Et du coup, on sent que ça fait vraiment un dessin animé 3D. Voilà. Donc, pour aller plus loin, du coup, voilà ce que j'aurais ajouté. Dans tous les cas, ça reste du très bon boulot. Et encore une fois, il faut se rappeler que le mec vient de faire 44 secondes d'animation en 15 jours. C'est un mini exploit en soi, hein, clairement. Je donne à tout le monde le challenge de faire 44 minutes d'animation avec du brain shape du personnage en 15 jours. Tu vas voir que, putain, t'as intérêt à te lever de bonheur. Donc, énorme bravo à Florian. Bravo d'avoir attaqué et d'avoir testé, du coup, cette technique d'animation. Maintenant, il n'y a plus qu'à se perfectionner dessus. Tu l'as découverte. Il n'y a plus qu'à aller corriger ces problèmes-là. En tout cas, c'est excellent. C'est excellent d'avoir testé ça. Et de toute façon, on passe tous par là au début. Et on voit en fait que déjà, il y a déjà pas mal de choses comprises. Tu as compris les blend shapes, tu as compris les positionnements, tu as compris comment fonctionnent les clés. Il n'y a plus que du coup à aller sur le next level, les interpolations d'images. Et surtout, bien penser à ton découpage et à ton cadrage au début. Où est-ce que tu mets tes caméras et pourquoi? Et à la fin, du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais même chose, ici, l'éclairage, je pense qu'il est relativement absent. Bien travailler votre éclairage, c'est super, super important. Ok ? En dans tous les cas, je te fais un énorme bravo, Florian, pour ce travail, et on passe à la suite. Je rappelle que vous pouvez toujours voter hein, pour les gagnants entre Romain, Quentin et Vincent sur le site de teach.motion-f.com/émission. Pour l'instant, un gagnant se dessine. Dans l'ombre, c'est Quentin. Si vous voulez changer encore la donne, si vous voulez changer l'avenir des participants, c'est maintenant ou jamais. Rendez-vous sur le site de l'émission pour changer ça, si ça t'intéresse. Et une poignée de porte, en effet, Quentin, ça ne serait pas trop. Alors, on suit pour le travail de Maxime. C'est parti pour le travail de Maxime. Alors, le travail de Maxime, du coup, un travail que j'apprécie vraiment particulièrement. Pourquoi j'apprécie ce travail particulièrement? Parce que c'est un travail qui, je trouve, est abouti en termes d'image, vraiment, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, j'apprécie particulièrement. En plus, je trouve que c'est un peu méta, what the fuck, une Game Boy dans l'espace. Enfin, je trouve ça marrant, en plus. J'aime bien. Donc, beaucoup de choses positives. Je trouve que, voilà, je trouve, par exemple, là, l'éclairage est travaillé. Je trouve qu'on a un bel éclairage. On sent qu'il y a un soleil. Le soleil est crédible. On sent qu'on est sur un truc avec de la Terre, tu vois, dans une planète. C'est vraiment top. J'aime bien l'arrière-plan avec cette planète et ses étoiles. Enfin, c'est relativement beau. Après, j'avoue que j'ai un petit côté... je suis un peu... sensible au côté espace et tout, donc bon, voilà, ça tape dans mon petit cœur tout mou, donc bravo Maxime là-dessus, mais dans tous les cas, je trouve que c'est une image qui fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette image? Plusieurs choses. Première chose, du coup, qu'on peut améliorer dans l'image, du coup, pour moi, clair et net, là, sur cette image, je pense que le gros point d'amélioration, c'est le compositing. Le compositing, je pense, est vraiment en dessous de tout le reste, et c'est un peu dommage, parce que je trouve que le reste est vraiment bien réussi, et on le voit ici, notamment, il y a un sacré beau liseré sur ta Game Boy ici. Un petit peu dommage ici. Écoute, Maxime, ça c'est bon. Ça, les fans de science-fiction, c'est les meilleurs. donc ça, c'est un peu dommage, le liseré noir, tu vois. Pareil, tu vois, sur le rocher, il y a un beau liseré noir ici. Un petit peu dommage. Il y a vraiment un problème de couleur et de compositing entre ton avant-plan qui est en 3D et ton arrière-plan qui est une image que tu as faite sur Photoshop, j'imagine, ou un truc que tu as trouvé sur Internet. Dans tous les cas, il y a un souci clairement de couleur. C'est pas normal que ça soit bleu saturé et ça soit jaune orange saturé quoi. Il y a un souci, ton arrière-plan, t'as vu ta lumière, ta planète est hyper
éclairé, tu vois. Donc ça implique que le soleil vient de par là, mais ton image ici, le soleil vient de par là. Donc il y a un problème, d'accord ? Il y a un souci d'éclairage, ça c'est clair et net. Ensuite, l'éclairage, la lumière qui devrait être hyper forte devrait baver ici du coup sur l'arrière-plan, c'est pas le cas. Bref, en fait, il y a un souci de finalement d'assemblage à la fin entre ton arrière-plan et ton premier plan, ce qui est, je pense, vraiment dommage. Parce que c'est le petit truc qui manque pour que ton image soit vraiment quasi parfaite. Donc voilà. Bon, c'est vraiment dommage. Après, il y a quand même énormément de choses positives. Hein. Je ne veux pas non plus dire que c'est complètement raté. Loin de là, c'est même du super travail. Comme je l'ai dit au début, c'est une image que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, il manque ce petit truc, tu vois, pour vraiment la faire passer au niveau supérieur. Même chose, il manque un peu de mist, un peu de combo, un peu de glow. Tous ces petits éléments-là qui font vraiment que ton image passe au niveau supérieur sans trop d'efforts. Je t'invite à aller regarder une vidéo sur l'école H3D2 qui s'appelle « Le compositing de base à faire à chaque fois », où je présente du coup ces quatre éléments, ambient occlusion, mist, glow et... contraste, qui sont les quatre éléments à faire quand tu fais une compo sur chaque image. Voilà, là ici c'est ce qui manque. Et je sais pas si c'est dû à quoi ce liseré là, mais c'est vraiment super dommage. J'ai l'impression que tu as contrasté ton alpha, ça ressemble à ça, c'est assez bizarre. Bref, pareil, si ton alpha pouvait être du coup non prémultiplié, et plus doux, ça aurait été vraiment plus joli. Donc ça c'est vraiment le gros point que j'améliorerais, c'est le compositing. Ensuite, deux petits autres points que j'améliorerais, mais je pense que c'est beaucoup moins important, mais bon, autant le dire, c'est les rochers ici. Je trouve qu'on sent un peu les faces ici, notamment là, tu vois. Ça c'est un peu dommage, je pense que ça manque un peu de détails sur le sol. Mais globalement, je trouve que quand même, les petites touffes d'herbe et doux, les petits rochers marchent relativement bien, ça fonctionne relativement très bien même. Voilà, je pense que ça va avec un petit peu de détails, tu vois, cette liaison entre ce rocher-là, ça va être intéressant d'avoir un peu de petits rochers ici pour aider à petits endroits. Mais voilà, ça c'est un peu plus secondaire, je pense. Le gros point pour moi étant le compositing. Sinon, je ne peux que te féliciter pour ce travail, Maxime. C'est du, je trouve, super boulot. Donc, un grand bravo à toi. On attaque pour la suite. C'est parti, du coup. La suite, on attaque sur le travail de Ubaida. Ubaida nous a fait en plus une animation. Ah bah écoute, Maxime, n'hésite surtout pas à du coup mettre la réalisation sur la classe virtuelle, tu n'hésites pas, je suis sûr que tous les élèves seront ravis de le voir, et moi le premier d'ailleurs. Donc, let's go, on attaque du coup sur le projet d'Ubaida. Hop, donc le projet d'Ubaida est une vidéo, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y a du son. Je vais vérifier. Merde. Ouais, il y a du son. Donc on va hop, couper ça, et on y va, on attaque. Donc un travail sur God of War ici. Revoyons ça. Et voyons, analysons un petit peu l'idée qu'a voulu faire Ubaida. Et où est-ce que du coup ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne un petit peu moins. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour que ce soit mieux réussi. Alors, moi j'adore les petits trucs comme ça où il y a une petite intro avec un texte, il met un peu dans le contexte, tout ça, je trouve ça trop bien. Donc là-dessus, gros bravo. Ça c'est vraiment trop cool, je trouve. Donc là-dessus, chapeau. Moi, je trouve que le projet de Ubaida ici, c'est un projet qui est relativement inégal. Je trouve qu'on a des choses qui sont relativement très bien, qui fonctionnent très bien. Je trouve que l'arbre, putain, l'arbre est vachement bien réussi. Je trouve que les feuilles sont vachement bien réussies. Et à côté de ça, je trouve que l'herbe aussi, je la trouve super bien réussie. Et à côté de ça, je trouve que par contre, tu vois, le fond, le fond est pixelisé à mort, quoi. C'est super dommage. Je trouve que le fond, je me demande ce que ça vient foutre là, quoi. Je trouve que le fond est vraiment complètement à côté de la qualité de la 3D. Et je trouve que ça gâche vraiment tout, malheureusement. Donc voilà, premier point, le décor hors fond est vachement bien réussi, je trouve. Et le fond, malheureusement, je trouve qu'il gâche un peu tout. Donc, mais bon, super taf du coup sur la 3D. Là-dessus, gros gros bravo. Pareil, bon travail sur la hache. Je trouve que la hache est bien modélisée. Ça, c'est cool. Par contre, du coup, la hache, je trouve, elle est mal animée, malheureusement. Alors pourquoi elle est mal animée? Déjà parce que une hache qui tourne aussi vite, il faut du motion blur là, il faut du flou de mouvement à mort là, c'est pas possible qu'on la voit aussi net.
Et ensuite, du coup, quand la hache elle arrive, tu vois, elle ralentit en arrivant sur la, sur la, sur le, pardon, sur le bout de bois, sur la, le bout de bois, sur le tronc d'arbre. Alors qu'en fait, elle ne devrait pas ralentir, elle doit arriver d'un coup et paf, tu vois. Si je te montre un petit peu parce que t'as pas de caméra, la hache elle arrive, elle fait et elle se bloque d'un coup, tu vois. Et là, c'est là à cet endroit-là qu'il faut une animation linéaire. Là, il faut une courbe qui soit parfaitement droite et qui calme d'un coup. Qui s'arrête d'un coup, parce que du coup, elle se bloque dans l'arbre, direct, d'accord? Donc, j'arrête pas tout à l'heure, j'arrête pas de dire en animation, mettez des courbes Bézier, oui, 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 mais dans ce cas-là, où t'as du coup une hache qui vient taper contre un mur, et finalement, n'importe quoi d'ailleurs qui tape contre un mur, contre un arbre, ce que tu veux, là, la courbe, elle doit être parfaitement linéaire, parfaitement bloquée, où ça va faire... direct, bien droit, bien plat, sans ménagement, si je puis dire, d'accord? Là, du coup, ta hache, elle peut... et elle ralentit à la fin, du coup, en arrivant... Ce qui est vraiment dommage du coup parce qu'on sent, là, on sent que c'est ordinateur parce que en vrai dans la vie c'est impossible de faire ça. Donc voilà du coup pour la hache. Donc je trouve que la modée est vraiment bien réussie. En tout cas là je trouve qu'elle est super belle. Elle est vraiment cool la hache. Par contre du coup l'animation pour le coup est un petit peu en dessous. Elle s'était cachée, ouais c'est clair. Du coup par contre pour la flèche je pense pas qu'il y avait ce problème. Je vérifie. Non la flèche je la trouve beaucoup mieux animée d'ailleurs. Elle arrive, clac, juste, voilà. Elle est dedans, c'est bon. Ok, ça marche. Ah bah écoute, Obaïda, bon, c'est pas grave, pour la prochaine fois. Hop. Ici, pareil, le zoom de la hache, le zoom de l'animation de caméra, je le trouve relativement assez mal géré, dans le sens où on est sur un plan fixe depuis le début, tu vois, d'accord. Bon, très bien. Et elle, la caméra part d'un coup. C'est relativement brusque. Alors, même si je sais que c'est une animation Bézier, hein, ça se sent que c'est quand même Bézier, c'est beaucoup trop rapide. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on parte tout doucement, tu vois, depuis le début, en fait. Je pense qu'il faudrait vraiment que ta caméra, tu vois, genre, on est là. Bam. Et à partir de là, elle commence déjà à avancer, mais vraiment tout doucement. Tu tires ta courbe à mort dans ton graph editor pour commencer doucement, 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 et accélérer au fur et à mesure, accélérer, accélérer, et arriver ici. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce que je te conseillerais. Après, je trouve que c'est assez stylé le fait d'avoir mis God of War. Je trouve qu'en plus le Kratos il est bien, il fonctionne bien dans la hache. Je trouve que la texture de la hache de bois elle fonctionne à mort. C'est pour ça que c'est marrant. Je trouve qu'il y a vraiment ouais, je trouve que dans ce projet il y a vraiment quelque chose qui est relativement irrégulier. Je trouve que putain, ta modée et tes shaders sont hyper bien gérés. Putain, ça je trouve que c'est hyper cool. Mais vraiment hyper cool. Enfin, on sent le bois là. Franchement, putain, c'est trop trop bien ça. C'est du super taf ça. Et à côté de ça, malheureusement, par exemple, t'as ton fond qui est du coup, je trouve, vient un petit peu tout gâché parce que t'as vraiment un taf de malade en image ici. Et derrière, du coup, on sent vraiment le fond pixelé, malheureusement. Et ensuite, du coup, voilà, donc Kratos, vraiment bien intégré. Je trouve que le Sony et le God of War, elle est un peu moins. Bon. Mais globalement, vraiment beau travail de texture ici et de shading. C'est cool. Alors, Ubaïda, du coup, t'as pris une HDRI. Mais du coup, c'est bien parce que les HDRI pour éclairer, c'est cool. Par contre, une HDRI, c'est pas fait pour faire un fond. L'HDRI, elle va te servir à éclairer. Elle va te servir, du coup, à être utilisée en termes d'information, de réflexion et de lumière autour de ta scène. Mais par contre, le problème, c'est que le 2K, en fait, pour faire un 360, c'est pas du tout assez. Et du coup, ton HDRI, à la fin, elle va être hyper pixelisée. Dans tous les cas, même si ton HDRI n'était pas pixelisé, tu aurais quand même un espèce de problème d'aplat en fait. Là, la solution pour avoir un truc propre, il fallait faire un décor en 3D derrière avec de la forêt, des arbres, d'autres choses, des maisons, ce que tu veux. Mais il fallait toi-même faire le décor pour avoir une profondeur. Sinon, ça n'aurait jamais fonctionné. D'accord ? Et en effet, Romain a tout à fait raison. Si tu avais ajouté un peu plus de depth of field, ça aurait vachement aidé. Bon, on le voit, hein, du depth of field, il y en a déjà, hein, puisqu'on voit ici tout à fait que les feuilles, enfin les brins d'herbe sont flous. Et on voit aussi que quand la caméra se met à zoomer, on voit que du coup, regarde, l'arrière-plan se met à flouter, tu vois. Donc, il y a des faux films, il y en a déjà. Je pense qu'en fait, il manque vraiment simplement en fait, un décor. En fait, simplement. En fait, sur cette scène-là, il manque vraiment un décor. En fait, parce que une HDRI n'est jamais un décor. Je déconseille en général d'utiliser une HDRI comme un décor. L'HDRI, c'est plutôt pour gérer les réflexions et l'éclairage. C'est hyper important, mais c'est rarement, ça fonctionne rarement pour un décor. Pour un décor, il vaut mieux aller mettre une autre image, une image en plat pour faire le fond, et après avoir plusieurs étages de détails, tu vois, des petites montagnes, des machins, pour venir directement faire tes plusieurs plans, en fait, de profondeur. À savoir que les décors d'extérieur, c'est quand même relativement difficile à faire.
Si tu veux un peu de détails là-dessus, n'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai faites sur Blender et Maya, notamment celle où j'explique comment j'ai fait les décors. On peut aller jeter un œil relativement rapidement. Hop. Donc ici, par exemple, tu vois sur les décors, la petite astuce qui fonctionne relativement bien, c'est en fait d'avoir plusieurs plaques en fonction du détail en fait que tu vas faire. Voilà, là on l'a pas mal. Tu vois, en fait, là, on a l'impression que du coup, il y a un décor qui est énorme derrière, tu vois, avec des montagnes, des machins et tout. Mais en fait, quand on dézoome, tu vois en fait que, au final, c'est que des plaques, tu vois, qui sont posées au fur et à mesure, tu vois. Et on a différentes étapes, en fait, et chaque plaque, en fait, dans le plan, va coller, en fait. Et c'est comme ça que, du coup, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne, tu vois. Et du coup, quand je me remets là, tu vois, hop, on voit que là, en fait, on voit pas la différence. D'accord. Bon, je sais pas ce que c'est, ce truc derrière dégueulasse, mais bref. C'est juste en HDRI que du coup au final j'ai pas laissé dans le rendu. Donc tu vois, on va avoir plusieurs étages, tu vois, un premier plan qui va être un plan, un deuxième plan, un troisième plan, tu vois, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ce que je te conseille de faire pour la prochaine fois. Si tu veux faire un décor d'extérieur, c'est d'avoir plusieurs étages de plans plutôt que d'essayer de faire tout d'un coup, ce qui est super difficile. Et comme un con, du coup, moi je quitte la plateforme en oubliant de faire la suite. Alors, donc en effet, par contre, du coup, Vincent a tout à fait raison, je crois que la question de l'arbre est très réussie. Donc c'était le travail d'Ubaïda, le travail de Romain, qui est d'ailleurs Romain finaliste dans ce challenge. D'ailleurs, on voit ici, hein, du coup, 7 votes pour lui. Hein, donc si vous voulez voter pour Romain, c'est encore le moment de renverser la tendance. Pour l'instant, Quentin est en tête, du coup. Le travail de Romain, du coup. Alors moi, je dois dire, j'avoue. Moi, personnellement, le travail de Romain est mon préféré de tout le challenge. Je trouve que c'est l'image qui est la plus réussie du challenge. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je trouve que c'est l'image qui est la plus réussie du challenge? Simplement parce que, en fait, dans cette image, il n'y a pas de choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ce que qu'en fait je cherche quand on a un travail qui a cherché du professionnalisme. C'est une image qui fonctionne, et cette image, elle fonctionne, je trouve, sur toute la ligne, dans le sens où on a un éclairage qui est hyper bien géré, on a une modée qui fonctionne à merveille, on a un décor qui est hyper crédible, et on a un compositing qui est nickel. Et ça, c'est tout ce que j'attends, en fait, finalement, sur un boulot. Alors, je vais évidemment détailler ce que je veux expliquer au fur et à mesure sur chaque étape, mais voilà, donc ça, là-dessus, gros point positif. Donc, déjà, pourquoi, du coup, une modée qui fonctionne? Eh bien, c'est clairement des choses qui ne sont pas évidentes, d'avoir, du coup, un close-up, du coup, au niveau d'un truc en herbe, avec énormément de détails, tout en ayant un truc hyper profond, avec des choses, du coup, très grandes. Et Romain aurait pu se foirer des tonnes et des tonnes de fois sur la modée à cause du nombre d'éléments qu'il y a en termes de RAM et tout. Ça aurait été un bordel, mais au contraire, je trouve que ça a été très bien géré. Je trouve que là, la Pokéball fonctionne très bien. Je trouve que là, ça manque peut-être un petit peu de détails, mais globalement, je trouve que ça marche très bien. Je trouve que les fleurs fonctionnent, enfin les fleurs, l'herbe, tout fonctionne très bien. Souvent, les gens, quand ils font de la végétation, ils font l'erreur de mettre que de l'herbe. Là, c'est pas ce que t'as fait, et ce que j'apprécie particulièrement, il y a des cailloux, il y a des petites feuilles, il y a des machins, il y a des trucs, c'est super cool. Je trouve que les feuilles manquent un poil peut-être de SSS. Bon, c'est vraiment là pour faire chier, ou un peu de transparence. Mais sinon, ça fonctionne extrêmement bien. Je trouve que l'arbre est hyper bien réussi. Les petits buissons là, je sais pas ce que c'est, peut-être des moutons, des trucs, bref, ça marche super bien ça. Et aussi, enfin, on a vraiment ce décor, ces différents plans, tu vois, on sent vraiment qu'il y a un plan là et un dernier plan ici. Ça marche super bien. Donc en modé, nickel, j'ai vraiment quasiment rien à dire, c'est vraiment top, 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 top. En termes de cadrage et de mise en scène, c'est très réussi. On a la Pokéball qui est parfaitement cadrée sur un point de force ici au niveau des tiers. On a le Pokémon qui est là, cadré parfaitement sur le deuxième point de forme, une belle diagonale. Enfin, là, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien cadré. C'est hyper bien mis en scène. C'est vraiment une super image en termes de composition, je trouve. Là-dessus, bravo.
passons maintenant à l'éclairage et au shading. Je trouve que l'éclairage est très réussi, tout simplement parce que c'est crédible en fait. On comprend parfaitement qu'on est dehors, qu'il y a un éclairage de jour. On sait que le soleil, d'où le soleil vient, c'est parfaitement cohérent. On comprend qu'il y a une HDRI et qu'il y a le soleil, le ciel bleu qui reflète partout. Enfin, ça marche super bien. Donc très très bon éclairage, très réussi, très cohérent. C'est simple mais efficace, j'adore. Et on voit, et là c'est ce que j'adore, tu vois, on voit là, les réflexions de la HDRI, tu vois, dans la Pokéball. On voit le ciel, on voit le soleil qui est ici. Donc ça c'est très très cool, donc très bon éclairage. Je trouve que le shading fonctionne bien. Petit point je pense d'amélioration sur cette image, je pense que c'est le shading de la Pokéball qui pourrait être un peu plus travaillé. Là je trouve qu'il est relativement simple, ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de, tu vois, de détails dans la roughness, de petites griffes, de machin, de trucs. Voilà, je trouve que le petit Suzanne dessiné il fonctionne bien, mais il fait un peu pixelisé, je le trouve un petit peu en dessous du reste. Donc je pense que le shading de la Pokédex aurait pu être un peu plus travaillé, je pense. Mais au-delà de ça, sinon c'est vraiment du super taf. Et pour terminer, le compositing, on voit parfaitement l'ajout de ton atmosphère ici et de l'occlusion. Il y a vraiment les ondes de contact qu'on cherche à avoir dans ce type de scène et l'atmosphère où on voit très bien que là c'est très contrasté, on a des noirs très noirs et plus on avance, plus on devient pâle, plus on devient bleuté. Exactement ce qu'on cherche à avoir dans un compo classique, comme je l'ai dit, un compo classique, du coup, occlusion, mist et contraste. C'est exactement ce qu'a fait là Romain, et Glo d'ailleurs, et on le voit bien du coup, occlusion, mist, donc l'atmosphère, contraste, on a bien nos noirs et nos blancs qui sont bien contrastés, et Glo. Exactement ce que j'attends. Je trouve que c'est un travail qui est très très réussi, c'est une superbe image. Grand bravo à toi Romain pour ce... Encore deux, je répète, hein, pas en 15 jours. Donc Romain fait partie de Fini, si vous voulez voter pour lui, ça se passe sur le site de l'émission. Quentin est toujours en tête, bravo à toi Quentin. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, renverser la cadence. Allez voter. C'est parti du coup, on va attaquer, si je ne me trompe pas, pour le dernier du coup projet, qui est le projet de Vincent, qui est du coup Vincent notre troisième finaliste. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que Vincent nous a fait. On l'a déjà vu en début d'émission, mais on va le revoir. Alors, ici du coup, on a le travail de Vincent. Vincent du coup, un travail que j'apprécie particulièrement, parce que c'est simple, mais putain ce que c'est réussi. C'est simple, mais putain, ce que c'est réussi. J'ai quasiment rien à dire, honnêtement, sur ce travail-là aussi. J'avoue qu'entre Romain et Vincent, j'ai eu beaucoup de mal à décider sur lequel je préférais. Avec plaisir, Romain. Très, très, très bon travail, Vincent. Ce petit allumage, ce que j'apprécie souvent les gens quand ils font ça, le truc éclaire pas vraiment. Là, on sent que des écrans éclairent vraiment. Et comme ils éclairent vraiment, on sent du coup qu'ils éclairent l'environnement. Putain, c'est trop cool. C'est super bien, c'est très très réussi. C'est vraiment nickel. C'est du bon travail, c'est court, mais c'est hyper efficace, je trouve. Je trouve que tes bandes à cartes, elles sont très réalistes. Enfin, si je prends cette image-là, tu vois, ça pourrait... Je vais pas dire que ça pourrait être une photo, mais quasiment, tu vois. Ça pourrait quasiment être une photo. Très bon boulot. Vincent, honnêtement, je dois dire que c'est vraiment de l'excellent travail. Ça fonctionne très très bien. Je trouve que même chose, c'est très bien mis en scène. Je trouve que là, tu parles souvent de l'éclairage, je trouve que du coup là c'est très bien éclairé. D'avoir choisi en fait de rendre l'éclairage seulement ou quasiment, parce qu'on voit qu'il y a un petit éclairage rouge là, pour pas que ce soit totalement noir, ce qui est d'ailleurs très bien vu, mais que l'éclairage soit quasiment fait pour que ce soit seulement éclairé par les écrans, c'est hyper bien joué, ça marche très bien. Clair-obscur, je trouve ça très très bien. Je pense que ce qui manque un peu, c'est du compositing. Du coup, j'ai l'impression que je sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de compos. Ça manque un petit peu de glow au niveau des écrans, ça manque un petit peu de mist, tu vois. Cette partie-là devrait être plus contrastée que cette partie-là, un petit peu. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Pour moi, du coup, c'est le deuxième meilleur travail de ce soir en challenge. Voilà, super taf. Finalement, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je trouve que c'est très réussi. Je pense que maintenant, la suite, c'est d'aller chercher le détail. Un certain Quentin, t'as soufflé. Quentin a eu une très bonne idée, je dois le dire, d'animer les écrans parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est vraiment réussi. Maintenant, la suite est d'aller chercher les détails dans la texture, tu vois, d'aller chercher un petit peu de noise dans la roughness, des petites griffes, des machins, pour que les... Là, parce que du coup, là, tu vois, tes trucs, ils sont parfaitement neufs, tu vois, ils sont vraiment juste, ils sont hyper clean.
L'idée maintenant, ce serait d'aller chercher quelque chose où on sent que c'est un petit peu vécu, tu vois, que les gens ont griffé un peu, et du coup, ça accroche la lumière à différents endroits, etc. Bref, d'aller travailler le travail de texture, du coup, et d'accroche de lumière sur tes éléments, notamment, du coup, dans la refnette et le bump, du coup, ici, que là, je trouve, ça manque un petit peu. Je dirais que c'est la deuxième étape, du coup, sur ce que tu as fait ici. Mais sinon, c'est vraiment très, très réussi. J'aime le 9, ça marche. Si, du coup, vous trouvez, vous aussi, que le travail de Vincent est vraiment excellent et qu'il mérite d'avoir des votes, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voter pour lui sur le site de l'émission. Du coup, je le remets ici, en haut à gauche. Alors, on a 13 votes pour Quentin, du coup. 9 votes pour Romain et 7 votes pour Vincent. Rien n'est encore joué, quoique on voit quand même un gagnant se dessiner doucement. Je vous laisse encore 5 minutes pour aller voter. D'accord. 5 minutes pour aller voter. Le temps que moi, j'allais me faire un petit café. 5 minutes pour aller voter sur le site de l'émission. Tout est encore jouable. D'accord. 5 minutes pour aller voter sur le site de l'émission. J'espère que quand je reviendrai d'ici quelques minutes, les chiffres auront explosé. D'accord ? Je vous laisse voter et je vous dis à tout de suite. Eh bien, me revoilà, je vois que ça a bougé, malheureusement, pas assez. Je pense que le gagnant est tout dessiné, il est là, il est sous nos yeux, notre gagnant, c'est Quentin. Bravo à toi, Quentin, pour cet excellent travail. Bravo et félicitations d'avoir gagné ce challenge, décision de notre cher public. Alors, la suite. Elle est relativement simple. Quentin, avant de pouvoir choisir un thème pour ce challenge, il y a, du coup, quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose de très particulier. Ce que je fais à chaque challenge, c'est la mention spéciale. La mention spéciale, c'est quoi ? C'est moi qui donne une mention spéciale à un travail que j'ai particulièrement apprécié ou alors un élève pour le parcours qu'il a fait, soit parce qu'il est débutant, soit parce que il a fait quelque chose qui était pas évident, etc., etc. Bref, ça peut être pour après n'importe quelle raison. L'idée, du coup, c'est d'encourager toujours les élèves à aller plus loin. Qui ce soir a la mention spéciale ? Eh bien, je vais vous le dire. Et je pense que cette mention spéciale va revenir à Florian. Ici, qui a fait le travail de Pac-Man. Alors, pourquoi cette mention spéciale revient à Florian ? Bien, tout simplement parce que je sais que déjà, Florian, c'était la première fois qu'il faisait de l'animation. D'accord ? Première fois que Florian faisait de l'animation. Donc, je sais que c'est super difficile au début quand on démarre l'animation. Donc, là-dessus, bravo. Et aussi, en fait, parce que je trouve que c'était le projet le plus ambitieux,
D'accord. Quoique avec Quentin, ça, y a des... ça pourrait jouer aussi, mais bon, comme Quentin, t'as déjà gagné, je peux pas non plus te donner aussi la mention spéciale. Donc, je trouvais que Florian, c'était un projet qui était hyper ambitieux avec des personnages, etc. Et ça, c'est très cool. Et c'est un truc que j'apprécie. Moi, j'apprécie beaucoup les projets qui sont ambitieux parce que même s'ils sont pas terminés, ça permet en fait, en termes d'apprentissage, de voir énormément de choses et c'est très très cool. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas ce qu'on aime trop dans les showreels. Dans les showreels, on préfère vraiment les trucs un peu plus niqués, un peu plus léchés, c'est vrai. Mais sur des challenges comme ça, où le but en fait finalement est de trouver des solutions pour aller vite et d'apprendre le maximum de choses, et bah clairement, ce type de boulot, j'adore. Donc, la mention spéciale va à Florian. Et du coup, quelle est la suite? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Florian et Quentin, vous allez devoir mettre un message dans le chat de l'école, donc le chat de la classe virtuelle, donc juste ici, du coup. Hop, je te montre mon écran. Le chat de la classe virtuelle, du coup. Vous allez devoir mettre un message, d'accord, avec le thème que vous allez proposer, d'accord. Dans le message, vous allez devoir mettre le thème que vous proposez. Comme vous le savez, du coup, sur chaque message, tu peux aimer, tu vois. Par exemple, je peux aimer mon propre message si je suis un peu un mégalo, tu vois. Et du coup, il y a un petit compteur. C'est pas compliqué. Vous devez convaincre les autres élèves de voter pour votre message pour que le thème soit choisi. Et ce sera le message entre celui de Quentin ou celui de Florian qui aura le plus de j'aime qui sera choisi en tant que thème pour le prochain challenge. Quelques petites règles pour le choix du thème. Il faut que le thème soit relativement spécifique, d'accord? Pourquoi il faut qu'il soit spécifique? Parce que s'il est trop large, on n'aura plus de thème après, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut éviter un thème, par exemple, comme l'ASF, tu vois? L'ASF, c'est un thème trop large. Par contre, si tu veux faire un thème de SF, bah, tu peux faire, par exemple, j'en sais rien, les chevaliers du futur. Ok, ça, c'est un thème spécifique, et du coup, on va pas manquer de thème. Donc, pour le thème, le prochain thème, il faut, du coup... Je fais des bêtises, pardon. Il faut quelque chose de relativement spécifique. Donc, Quentin et Florian, vous pouvez proposer le thème dans le chat de la classe de l'école H3E2. Le message qui aura le plus de j'aime entre vous deux sera considéré comme le thème. Alors, souvent, je laisse jusque lundi. Hein, donc, lundi, on est jeudi. Vous avez jusque lundi pour maximiser les votes. Tous les coups sont permis. Vous pouvez... engager votre groupe de travail pour voter pour vous. Vous pouvez faire des posts sur la case virtuelle pour encourager à ce que les votes, gens votent pour vous. Vous pouvez ce que vous voulez. Tous les coups sont permis pour avoir le maximum de votes et que votre thème soit choisi. Soyez persuasif, ça va être très cool. Et le but, encore une fois, c'est de rendre ça un petit peu marrant. Je compte sur vous pour amener un peu d'ambiance. Ça va être très cool. Voilà. Donc, on arrive finalement tranquillement à la fin de cette émission. Donc, petite conclusion. Déjà, énorme bravo au travail qui a été fait. Je dois dire un truc qui est vraiment très cool. Les challenges dans les collèges 3 et 2 sont maintenant en place depuis un peu plus d'un an et demi, si je dis pas de bêtises. Je crois que je les ai mis en place en octobre 2020, si je dis pas de bêtises. Et je dois dire en fait que je suis très très content des résultats. À chaque fois, je suis étonné de la qualité des travaux. Encore une fois, c'est seulement 15 jours et j'ai des trucs à chaque fois qui sont fous. Je ne peux que vous remercier de jouer le jeu et d'apporter des boulots qui soient si réussis. Autant que pour vous que pour moi, c'est excellent. Pour vous, parce que ça vous a permis d'apprendre très rapidement des concepts très, très importants et le système d'une prod, en fait, hein, simplement. Et ensuite, pour moi, parce que c'est hyper plaisant d'avoir des projets qui soient super bien réussis, c'est cool. Enfin, voilà, vraiment, merci pour ça. Vraiment, un énorme bravo pour votre travail à tous. Tous les projets étaient très réussis, tous les projets étaient poussés en fait jusqu'au bout pour chacun des élèves, et ça j'ai adoré. Il n'y avait pas de truc fait à l'arrache, et c'est ça j'adore, c'est vraiment trop bien. Et encore une fois, 15 jours c'est vraiment pas beaucoup, et pourtant on a des choses qui sont d'une excellente qualité. Un énorme bravo à vous pour ça. Deuxième chose, si tu es dans le live avec nous et déjà tu te demandes, mais putain, mais c'est quoi ce bordel de l'école H3E2, de quoi il nous parle depuis tout à l'heure Romain? Eh bien, l'école H3E2, c'est une école en ligne que j'ai créée maintenant il y a quelques années, où du coup, les élèves peuvent apprendre la 3D et découvrir les étapes de progression pour en faire leur métier, donc avoir un showreel et en faire leur métier. Les challenges sont une partie de l'école, il n'y a pas que ça évidemment, pour évidemment pouvoir s'améliorer et faire un maximum de projets. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir un peu plus, ça se passe sur h3e2.school. À savoir, pour l'instant, les rentrées sont fermées, puisque la rentrée s'est terminée il y a maintenant quelques semaines. Mais si tu veux en savoir plus, pour te préparer à la prochaine rentrée et aux prochaines candidatures, tu peux aller jeter un œil
à l'école, je crois, les deux, je peux envoyer un mail. Si tu as des questions, je te répondrai avec plaisir. Et enfin, pour terminer cette émission, eh bien, j'aimerais te faire un petit cadeau. Un petit cadeau que j'aime bien à chaque fois partager. C'est un petit tutoriel sur les shaders. Pourquoi un tutoriel sur les shaders? Parce que eh bien, les shaders, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire souvent. Et c'est bien de revoir un petit peu les bases. Donc, les shaders sur Blender. Voilà, c'est mon petit cadeau pour toi. Donc, je vais te balancer un petit trailer sur ces shaders. Et puis, dedans, le trailer, tu auras le lien. Je vais te mettre après le lien pour aller télécharger ce tutoriel. Tutoriel totalement gratuit. C'est un bon tutoriel pour se lancer un peu dans la 3D. Alors, c'est un peu technique parce qu'on parle de shaders. Si t'es vraiment totalement débutant, bah, c'est peut-être pas par là qu'il faut démarrer. Mais voilà, si t'as fait un petit peu de 3D et tu es un peu plus loin, tu veux aller creuser un peu plus, ça peut être une super idée. Tutoriel totalement gratuit, accessible à tout le monde. Vincent, eh bah écoute, excellent, c'est l'occasion. En plus, Vincent, le tutoriel que je vais mettre, il est aussi accessible dans le cursus, donc tu vas pouvoir y accéder. Donc c'est parti, je te mets le petit trailer de ce tutoriel et puis après je t'explique comment y accéder. C'est parti. Alors, ce tutoriel va t'apprendre à faire quoi? Eh bien, il va t'apprendre à faire les planètes que tu viens de voir sur Blender. Donc, le shader pour faire des planètes entièrement procédurales qu'avec des nœuds, d'accord? D'ailleurs, tu peux faire tout type de planètes, des planètes gazeuses, des planètes avec de la terre, etc. Bref, tu vas pouvoir t'amuser. Comment ça se passe? Eh bien, du coup, il suffit de te rendre sur ce petit lien-là, d'accord? Je te l'affiche ici, juste là. J'espère qu'il va s'afficher. Voilà, tutoriel teach.motion-planète. Et tu as toutes les infos pour pouvoir accéder à ça. Tout est procédural. Attention, si tu es dans l'école, tu ne vas pas sur ce lien-là. Parce que sinon, ça va te désinscrire de l'école. Bon, tu me le dis, je te réinscris, mais c'est un peu relou. Non, si tu es dans l'école, tu as déjà accès en fait à tous ces cours-là, hein, dans l'école. Il suffit de ne pas t'embêter. Je te montre tout de suite dans l'école où est-ce que ça se trouve. Dans l'école, si tu es dans l'école et que tu veux voir ces cours, ça se passe ici dans les cours, dans formation gratuite, puisqu'elles sont accessibles à tout le monde. Et tu as simplement ici Shading Procedural Blender. Et en fait, du coup, tu as tous les cours pour faire la planète, etc. T'as les fichiers, t'as la totale. Donc voilà, ça se passe ici du coup. D'accord, si t'en as l'école, ça se passe ici. Je répète, cours, formation gratuite et du coup, shading procédural Blender. Ok, si t'es dans l'école, du coup, fais attention, fais pas l'erreur d'aller t'inscrire sur la formation gratuite. Si tu n'es pas dans l'école, eh bien du coup, par contre, à ce moment-là, ça se passe simplement du coup sur ce petit lien-là. Je te le remontre du coup, teach.motion-life.com/planète où tu peux accéder du coup à ces cours gratuits. Petite introduction au shader, et à la fin tu arrives à refaire cette planète là et plein d'autres planètes entièrement procéduralement. Tu vas voir comment faire la terre, l'eau, les nuages, l'herbe, tout ça de manière totalement procédurale. Tu vas voir que le nœud à la fin il est assez assez dément, hein, en termes de, il y a quand même pas mal de taf dessus. Du coup ça peut être l'occasion, c'est totalement gratuit, ça dure il y en a pour 2 heures de cours et allez 3-4 jours si tu te chauffes pour le faire, et ça peut vraiment être une bonne solution pour bien comprendre les bases. Ok, donc voilà. Donc le cursus, enfin, la formation du coup des planètes, hein, Dylan, c'est totalement gratuit. Hein. Tu peux y aller, c'est gratuit. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Voilà, c'était le petit cadeau que je voulais vous laisser pour la fin de cette émission. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as vu des choses intéressantes et que tu as bien aimé ce que tu as vu ce soir comme moi. En tout cas, moi j'ai énormément apprécié. Les élèves de l'école, je vous remercie encore infiniment pour votre boulot. En effet, Vincent, c'est beaucoup de fun et ça me fait énormément plaisir d'avoir des boulots d'une si grande qualité, comme je l'ai déjà dit. On se retrouve très bientôt dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Je ne sais pas de quoi encore ça va parler. Je pense qu'on va certainement parler de Space Warp et qu'on va parler un petit peu de comment terminer une cinématique de jeu vidéo, puisqu'on est encore en train de faire ça, hein, il y a quelques mois. C'est vrai que du coup, ça s'est un peu mis en pause avec tout la rentrée, etc. Et puis les projets, les problèmes, enfin problèmes, le boulot personnel plutôt que j'avais à côté. Dans tous les cas, je reviens très vite avec pas mal de nouvelles choses dans mon sac, si je puis dire. Donc on se dit à très bientôt.
à 2 semaines en live. J'espère à avant sur YouTube, si j'arrive à trouver le temps de faire les éléments dont j'ai envie de te parler, parce que j'ai beaucoup de trucs en tête dont je veux te parler. Ça va être très cool. Et puis, pourquoi pas, j'aimerais bien faire un petit podcast. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de podcast et j'ai pas mal de trucs aussi dont j'ai envie de te parler. C'était super cool. J'espère que ça t'a plu toi aussi. Je te souhaite une excellente soirée et je te laisse avec du coup le petit jingle de fin de cette émission. N'oubliez pas, Quentin et Florian, de poster vos thèmes dans l'école pour avoir le maximum de votes. Soyez persuasifs, je compte sur vous. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Ciao.